Le palais de justice de Périgueux est un des nombreux tribunaux correctionnels de France. Mais savez-vous à quoi sert-il ? Non, je ne sais pas. Le correctionnel sert à traiter des délits pas très graves. Alors un tribunal correctionnel, eh bien, en fait, c'est un tribunal qui fait des corrections pour les grands criminels. En fait, un tribunal correctionnel sert à punir les délits. Il s'agit de petits vols, violences, harcèlement ou encore infractions au code de la route par exemple. Mais les sanctions sont-elles les mêmes pour les 16-18 ans, c'est-à-dire mineurs, que pour les plus de 18 ans ? Un régime plus favorable pour les enfants. Dans un tribunal correctionnel se trouve un président entouré par ses deux assesseurs qui sont tous les trois des juges. Ils sont chargés de trancher entre deux parties lors d'un procès. Le procureur de la République doit dicter les lois pour aider à la décision du président. Le greffier est chargé de rapporter par écrit tout ce qui a été dit lors du procès. Les avocats servent à défendre leurs clients, que ce soit du parti du plaignant, donc le parti civil, et celui aussi du prévenu, la défense. Pour défendre leurs clients, ils doivent donner des arguments pour montrer l'innocence ou la culpabilité d'autrui. Au centre se trouve la barre qui sert à l'expression des avocats prévenus ou témoins. Et le public peut assister au procès. Les portes sont ouvertes durant tout le procès.